Et ça tout le monde, c'est Azuric Perassian. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 541 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Je regardais juste où allait ma petite télécommande. Ben, je l'ai mise où? Je l'avais mise là pour justement pour pas la chercher. Elle est là. C'est bon, je l'ai trouvée. Donc oui, on se retrouve pour l'épisode numéro 541 de ce Let's Play, les amis. Au cas où, j'espère que vous allez bien. Moi, au cas où, je vais pas très bien. C'est juste parce que je suis malade. Voilà, je suis malade. Alors au cas où, c'est pas une maladie comme ça. Ça sort de l'autre côté. Voilà, je vous le dis. Donc il se peut que durant cet épisode, bah, qu'il y ait des petites coupures. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Normalement, ça va un peu mieux. Mais en fait, c'est pas une gastro réellement. C'est plus une indigestion. En fait, j'ai mangé trop gras. Et là, à midi, le McDo. Là, c'est le McDo. Il a du mal à passer. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Normalement, ça va pas non plus trop impacter la vidéo. J'espère en tout cas. Et donc, du coup, voilà. Alors, du coup, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement continué nos spécimens contre des. Oui, nos combats contre des spécimens dangereux, dans lequel on avait fait. Souvenez-vous, comment ça s'appelle on avait fait, il me semble, le Mont Gogol. Je crois que c'est ça. Le Mont Gogol. En spécimen dangereux. Je crois que c'était quelque part par là. Je sais plus où exactement, mais. C'était quelque part par là. En gros, c'était le Mont Gogol, je sais, mais je sais plus où il est exactement. Bah, bref, vraiment, c'était le danger ex là-bas. Donc, les amis, bah, vu qu'il y aura 3 épisodes cette semaine, comme d'habitude en mini-planning, bah, du coup, on va tout simplement s'attaquer à une nouvelle étape, enfin, de l'ex-danger. Donc, je sais pas. Alors, je vous avais dit que ça serait soit étape d'Hyrule, soit la vallée du néant. Donc, je pense qu'on va faire la vallée du néant. Je sais plus si c'est exactement ce que. Oula, excusez-moi, je sais pas si c'est exactement ce que je vous avais dit. Mais voilà, donc je sais plus si. Est-ce que j'avais vraiment mis. Pourquoi j'ai mis Mipha? Ah non, mais c'est dans l'épisode précédent, le Mipha et Terrago. Donc, je sais pas qui on va mettre. Je sais pas qui on va mettre après. C'est vers les montagnes enneigées, hein. C'est vers. Les collines enneigées, on peut essayer peut-être de mettre Evali à la limite, mais je sais pas qui on va mettre. Bah vous savez quoi, on va pas chercher midi à 14h, on va mettre Evali, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de fusion. Ah oui, c'est vrai qu'on avait cette arme totalement pétée. Ah oui, oh putain de merde. Oh putain de merde. Encore. En plus, la capacité d'esquive. Donc, je suis désolé, hein, mon gars, mais je pense que tu sais ce qu'on va faire. Hein. C'est même 8 fois rentable. Hein. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Merci. Ouais. Sachant que lui, je crois qu'il est en plus 10. Donc, ouais, en fait, ça fait 92, quoi. Et là, on n'a même pas le plus 5. Donc, quand on va commencer à le level up, là, regardez. Ouais, plus 5. Il faut juste espérer de tenter de trouver un. Alors, pas lui. Hein. Il faut pas l'utiliser du tout. En revanche, plus 10, plus 5, ok. Il n'y a pas de plus 10, là, plus 10. Ça devient un petit plus 15, mais c'est pas moi qui fais les trucs. Capacité d'esquive, vitesse d'attaque, dégâts infligés, tu. Pap. Vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque, elle est pas non plus top. Hein. Après, il y a dégâts enfonçants et attaque en l'air. Le problème, c'est que après, s'il y a le vert, c'est que ça veut dire que c'est bon. Hein. Pour une arme comme ça, c'est que c'est bien. Hein. Mais bon, c'est pas réellement le top, quoi. Après, si j'ai rien dit, en fait, finalement, c'est très bien, en fait. La vitesse d'attaque, pour qu'on. Ah, bon, après, avec Revali, je pense pas que ça soit non plus le top. On n'est pas un plus 10 ailleurs. Non. Attendez. Plus 10. Ok. Non. Plus 10. Dégâts infligés en fonçant. Vitesse d'attaque. Plus 4. Capacité d'esquive. Voilà. Dégâts infligés par les attaques en l'air. C'est très bien. Enfin, je dis ça, mais finalement, non. Je pense qu'on va. On va rester sur nos sources, hein, enfin dans le sens. Bah oui, en plus c'est même mieux comme ça. Bah vous savez quoi,
Voilà, c'était pas prévu, mais écoutez. Voilà. Merci. Comme ça, on va la reforger au max. Allez. Alors, du coup. Heureusement qu'on a des matériaux. Sur ma vie, heureusement qu'on a des matériaux. Sans ça, mon dieu, qu'est-ce que ça serait? Alors, du coup, c'est bien gentil, mais... Ok, on va laisser ça. Hein. On va laisser ça. On va lock. Je crois qu'on va la lock aussi. Et je pense que les amis, on va peut-être... Alors, pas choisir Teba, mais un autre perso. Alors, peut-être, si possible, assez haut niveau, vu que c'est du niveau 78. Donc, ouais, il faudrait peut-être choisir un autre perso à la place de... Enfin, autre que Revali, mais qui est assez puissant. Genre, par exemple, le Ron Bosphoramus, ça serait cool. Ouais, bah, je peux utiliser Ron Bosphoramus. Je pense que ça peut être cool. Bon, on va tenter de, déjà de level up. Oh putain, on est niveau 29. Ok, niveau 29. Bon, c'est peut-être possible de faire des miracles. On va tenter. C'est pas notre chevalier. Merci. Putain, ça aurait été presque intéressant, mais non. Enfin, ça aurait été presque intéressant. Ah, c'est quoi? Bah les couilles, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et les choix, on les a fait. Voilà, c'est bon. Au bout d'un moment, il faut porter ses couilles. Donc les amis, c'est parti. La vallée du néant, donc danger, la vallée du néant, une puissante menace qu'on vous a demandé d'éliminer a été aperçue. Rendez-vous vite, enfin rendez-vous vite à la vallée du néant, en mode normal évidemment. Donc on peut voir qu'en information d'observation, il y a un sorcier Blizzero, et en récompense de victoire, il y a 2 opales brutes, 10 grosses truffes max, 10 gros radis max, et un mini fourneau haute puissance, et une arme, enfin une petite arme, une petite, on verra. Et donc du coup voilà, on va choisir Revali en premier et Ron Bosphoramus en deuxième. Je préfère même limite choisir Ron Bosphoramus en premier parce que j'ai très peur, mais bon, on voilà, parce que je vous avoue que avec, alors j'espère juste que ça sera la puissance et non la robustesse, parce que si j'ai quand même envie de le combattre avec Revali, mais ouais, ça va être délicat. Bon, bah écoutez, on va y aller. En plus, c'est cancer en général, le sorcier Blizzero de base. Hein. Enfin, c'est vraiment cancer de base comme, comme truc. Les sorciers dans ce jeu sont très cancer, donc... À part celui de feu, ça va, mais... Mais celui de glace et celui de foudre, c'est vraiment abusé. Oh putain, j'avais oublié ça. Ah oui, putain, je m'en souviens. Et du coup, là, en fait, il faudra le trouver, c'est ça. Je crois que l'histoire, c'est ça, je crois qu'il faut le trouver. Putain, ouais, je m'en souvenais plus du tout. Enfin, si, je m'en souviens maintenant, mais je m'en souvenais plus avant. Donc, on va aller là. Allez, Revali. Avec une arme, oui. Bon, on voit vraiment que ça fait quand même une grosse différence. Hein. Avec Revali, on commence à être un petit peu cheaté, ça c'est bien. Enfin, cheaté. À toute proportion gardée, évidemment. Ok. Bon, la barre d'XP à l'avance, mais. Petit à petit, hein. Après, non, finalement, si elle avance bien, en fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit, elle avance très très bien la barre d'XP. Je dis que des conneries. Ok. Alors, Revali, s'il te plaît, voilà. Et nous, avec Ron Bosphoramus, on va éliminer les ennemis qui sont ici. Chercher les spécimens dans le jeu, sachant qu'il peut être en haut à droite, ou en haut à gauche, ou au milieu. Enfin, en haut au milieu, je veux dire. Et t'es mort. Putain, là, bien géré là. C'est bien, il y a des les alphas bleus. Donc pour des queues bleues de les alphas en cas de besoin, on les aura. Sans jeu de mots. On les aura. Alors. Dégage, merci. C'est moi là. Allez, Ron Bosphoramus, là. Revali. Oh, doucement. On va garder quand même garder nos coups fatals en cas de d'extrême besoin. Allez. Parce que je vous avoue que contre le sorcier Blizzero, si je peux mettre le coup fatal de... Comment ça s'appelle? De Ron Bosphoramus plus le coup fatal de
Revali, je ne dis pas non. Hein. Voilà. Allez, t'es mort. Voilà, t'es mort. Bon, au moins ça c'est fait. Encore une victoire pour moi. Non. On me fait pas mal, s'il te plaît. Voilà, tac, des KO. Des KO encore. Sachant qu'en plus, dans les endroits où le sorcier ne popera pas, bah en fait, oh, le niveau supérieur, thank you. En fait, d'autres ennemis popperont à la place. En général, c'est des sorciers en général. Mais des petits sorciers de base, donc c'est pas si dangereux que ça. Allez. Hop. Ok. Allez. Ok, bah t'as pas voulu. Oh non. Oh putain. D'accord, on l'a eu à temps ce truc, merci. Le moblin de foudre, il est décédé. Voilà une bonne chose de fait. Bah on va bientôt avoir une jauge de coup fatal avec Grand Boss Foramus. Je veux tout simplement éliminer tous les ennemis possibles et inimaginables. Donc c'est pour ça que je suis assez exigeant. Un pour les matériaux et deux aussi pour les jauges de coup fatal du coup. Hein, Alors, avec Rivali, c'est vrai que c'est plus très utile, mais bon, on a quand même des matériaux de Bokoblin à avoir. Pour l'amélioration des armes et tout, c'est le top. Allez. C'est moi, là ? Allez ! Boum, 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 boum. Ok. Par contre, vous dégagez. Parfait. Donc là, il peut popper là. Hein, il peut popper là. Donc on va voir ça. Non, c'est un sorcier de feu, d'accord. Donc je vous avais dit, hein, c'est en général que des sorciers qui popent dans ces environnements-là. Putain, même le sorcier, en fait, on lui fait pas énormément mal finalement. Enfin, si on lui fait mal, mais vous me comprenez quoi. Donc ouais, vraiment les niveaux influent vraiment sur le nombre d'attaques qu'on fait au niveau du perso. Donc Revali, tu vas aller là, comme ça Round Boss Faramus va aller là directement. Et oui, boum. Bon, normalement c'est bon là en termes d'ennemis. Merci. Bon ben on va pouvoir se diriger directement vers le côté gauche. Et après ben on ira tout simplement au centre. En général il apparaît très fréquemment au centre. Donc c'est pour ça que j'y vais pas directement. Pour tenter d'avoir également un petit certificat de sorcier hein. Et buter un sorcier ça fait pas de mal. Mais voilà, et en même temps ça permet tout simplement de farmer un petit peu des matériaux et tout. C'est le top, voilà c'est le top. Ah ben j'ai oublié les alphas. Ah mais j'ai oublié des les alphas. What the fuck. Ouais, ils étaient pas affichés parce qu'il y en a très très peu. Merci. Bon, Revali. Il y va doucement, mais sûrement. À l'endroit prévu. Alors, je sais pas s'il y a des. Non, il n'y a pas d'ennemis ici. On le fait, mais juste histoire de marquer le coup, quoi. En plus, bon. Ouais, non, ça donne pas de rubis. J'allais dire, peut-être ça donnerait des petits rubis derrière, mais pas du tout. Tant pis. C'est pas très grave. Hors de ma vue! C'est bon là? On a buté toute la France entière. Bon. Allez, Revali. Donc, du coup, Round Boss Foramus, tu vas là. Pour tenter de faire apparaître possiblement le spécimen dangereux. Et nous, avec Revali, on va buter les derniers monstres qui sont ici. Tenez-vous. Tac, 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 tac. Alors, du coup. Ah, mais il y a des Pokémon. Pourquoi ils sont pas affichés? Mais vous êtes débiles. Ils ont même pas affiché ici. Un sorcier de glace est apparu à base. Du coup, c'était bien au centre. Comme quoi, je vous avais dit. Hein. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'est bon? Ah, encore, évidemment. C'est bon. Allez, maintenant, avec Revali, on va aller là directement. C'est au milieu maintenant. Je crois qu'il y a que 3 slots d'apparition. Au niveau du spécimen dangereux ici, bon c'est déjà bien, 3 slots, enfin 3 slots, vous allez me dire, mais bon, normalement 3 slots.
Ok, bon bah écoutez. Thank you. Bon bah c'est bien, en plus on va pouvoir rejoindre les deux persos. Alors du coup c'est parfait, on a pas mal de coups fatals. Donc c'est bien. On en a 5 au total si on compte avec Revali également. Un petit sixième quand même serait pas de refus, mais bon à mon avis un sixième on l'aura pas tout de suite Mais voilà, écoutez, hein, on y va. Et logiquement il est là le sorcier Blizzero, logiquement. Ah non il est pas là. Il est pas là. Mais il est où le sorcier Blizzero? Ah peut-être dans l'autre avant-poste alors. Mais il est où le sorcier Blizzero? Ah bah il est là. Putain, on a mis 5000 ans à le trouver. Bon, on va d'abord bien l'achever. Alors sa puissance est peu commune, donc ça m'arrange. Donc on va faire du coup fatal. Je vous le dis, on en a 6, on va profiter. Parfait. Hop. Coup fatal également. Et après on va s'en occuper avec Revali. Ouais, on va s'en occuper avec Revali. Putain, on l'a tellement bien blessé. En fait, je veux juste voir si... Non, en fait, ok. Il y a vraiment qu'un moblin de foot qui est apparu. Je vais péter les blancs. Ah bah voilà. Ah bah, je crois que je vais peut-être buter le sorcier Blizzero sans le vouloir. Non, ça va. Finalement, ça va. Oh là là, le bâtard. Oh, putain, il est cancer. Oh, putain. Oh, il est cancer, j'ai juré. Mais, Ron Bosphoramus, tu fais quoi, là? Eh, mon gars. Occupe-toi du sorcier. Ça, c'est vraiment mal foutu, par contre, dans le truc. Oh là là. Et il y a toute la famille. J'ai juré, il y a toute la famille. On va quand même réunir tout le monde. Voilà, on va quand même réunir tout le monde. Donc là, il y a, par exemple, 3 persos. On a plein de choses de coup fatal, donc on va profiter. Je n'aurai aucune pitié. Merci. Allez, go. Oh, mais tu pètes les couilles. Voilà, alors là, je suis désolé, il y a tout le monde. Allez, dis-moi qu'il y en a au minimum un là, non? J'en ai même pas un, t'es sérieux? Je vais péter les plombs. Oh putain! Et le cancer, hein, j'ai juré. Ah, mais il me poursuit son truc à la con! Oh, mais j'en peux plus! En plus, il y a un sorcier de glace avec, donc ça change pas les choses. On ne bouge plus, j'ai dit. Merci. Vas-y. Oh, oh, waouh. Bon, on a du coup fatal également avec lui. On va tenter de les calmer. Dis-moi que j'en ai au moins minimum 2. Ouais, c'est bon, j'en ai 2. Ah non, j'ai éliminé le sensible 0 sans le vouloir. Bon, bah écoutez, c'est pas très grave. Bon, bah tant pis, c'est pas très grave. Bon, on aura au moins utilisé quand même notre cher Rivali. Il manquait plus qu'un seul de Moblin. Je suis dégoûté, mais bon, tant pis. Tant pis. Alors, du coup. Oh putain, ouais, il est passé 2 niveaux quand même. 2 ou 3 niveaux. Merci pour l'arme. Et oui, alors ça c'est bien. Avec cœur, bon, ça aussi. Ah, les amis, j'arrive. C'est bon, en fait c'est juste le chat qui... Oula, attendez, voilà, c'est juste le chat qui grattait à la porte. Donc ce n'est rien. Alors du coup, oui, on a pas mal obtenu pas mal de petites choses. Pas mal de petites choses, des matériaux, des queues bleues de les... Enfin, des queues bleues de les alphos, oui. Avec la petite queue rouge également. Oui, avec 12 rubis supplémentaires et quelques rapports et tout. C'est bien. Bon, ben, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, à part l'une de sens, non, ben, dans l'épisode prochain, vendredi, on partira pour le prochain
spécimen dangereux. Qui sera, je crois, à l'étape d'Irule, il me semble. Je crois que c'est elle, elle ne dispawnera pas. Vu que c'est 2 tours, il me semble, ou 2 ou 3 tours. Donc, ouais. Et oui, c'est ça. Oh! Ok. C'est pas le Mangogol, justement. Non, c'est la peine d'Irule. Ok, bon. Du coup, bah, les amis, la fois prochaine, on s'attaquera, du coup, à l'étape d'Irule. Donc, l'étape d'Irule, je pense qu'ici, on pourrait tenter de le faire avec... alors, parce qu'on a vu la lune de sang, elle est là. Donc, ce n'est pas du tout notre endroit pour le moment. Hein. Donc, au cas où... Je pense qu'on le fera avec l'étape d'Irule. Je pense qu'on pourrait tenter de le faire avec le gardien aguerri. Ouais, le gardien aguerri, ça serait cool. Donc, je pense qu'on le fera avec le gardien aguerri. Comme ça, au moins, ça sera fait. Donc, écoutez, on le fera avec le gardien aguerri. Merci, en tout cas, de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 541 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Je vous dis à vendredi pour l'épisode 542. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.